Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, avant toute chose, je voudrais qu'on applaudisse peut-être pour une dernière fois dans la soirée celle qui est encore Miss France 1994, Valérie Kless. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre accueil. Voilà des applaudissements très chaleureux. Alors une première question rapide, comment est-ce que vous avez passé cette année 1994, année exceptionnelle, Valérie ? Exceptionnel, oui, c'est vrai qu'en 1994, j'ai vécu une aventure extraordinaire grâce au comité Miss France. Le titre de Miss France, c'est un peu la réalisation d'un rêve de petite fille qui m'a permis de découvrir énormément de choses tout au long de l'année, de rencontrer des célébrités comme des personnes anonymes. Ça m'a permis également de voyager. Je suis partie à Londres, en Corse, aux Philippines, à Manille pour le concours de Miss Univers. Et un petit peu partout. Tout va bien, hein? Très très bien. Que dit-on aux jeunes filles en compétition ce soir? Eh bien tout d'abord, j'ai pu en voir quelques-unes, mais à toutes, je leur souhaite bonne chance et que la meilleure gagne. Voilà, voilà un beau mot et la soirée est bien lancée maintenant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, un immense bienvenue sur notre chaîne La 3 et nous commençons cette soirée avec ce joli sourire de Valérie Kless. Alors il s'agit maintenant d'élire la jeune fille, parmi les 43 candidates qui vont se présenter devant vous, la jeune fille qui, à vos yeux, est la plus digne de représenter la France pendant un an, dans vos régions, dans vos campagnes, dans vos villes, vos villages, en métropole et en outre-mer et puis partout dans le monde. Celle qui va représenter la France. Le thème ce soir, c'est le cinéma. Nous allons fêter, bonsoir Claude-Jean-Philippe, nous allons fêter le cinéma, le centenaire du cinéma dans quelques jours, à partir des premiers jours de 1995. Beaucoup d'évocations de grands films, et nous allons commencer par Le Guépard, immense film de Luchino Visconti, Alain Delon, Burt Lancaster, Claudia Cardinale, des robes absolument superbes. C'est la soirée du rêve, de l'évasion, de la beauté, du suspense aussi, et beaucoup d'émotions, et vous allez participer à cette soirée. Voici maintenant la première prise de contact. Vous allez faire connaissance avec les 43 candidates, et bonne chance. Thank you.
Premier beau tableau avec de magnifiques robes signées Symbeline. Vous allez revoir maintenant les 43 Miss. Alors là, papier crayon, il faut noter, vous allez pouvoir affiner vos préférences et donner des notes, les juger, les comparer. Bien, parce que vous allez voir les 43 Miss en gros plan qui vont se présenter les unes après les autres. Regardez, 43 candidates. Carole Vénien, Miss Abigeois, élue à Carmaux. Sandra Schumacher, Miss Alsace, élue à Marlenheim. Estelle Chiron, Miss Anjou, élue à Verne-d'Anjou. Mélodie Wilbert, Miss Aquitaine, élue à Martignas-sur-Jalles. Myriam Lalisse, Miss Artois, élue à Méricourt. Carole Manin, Miss Auvergne, élue à Mans-la-Jolie. Sandrine Petouin, Miss Berry, élue à Châteauroux. Sophie Roger, Miss Bourgogne, élue à Charnay-lès-Mâcon. Delphine André, Miss Bretagne, élue à Dinan. Armelle Rigaud, Miss Camargue, élue à Vergèze. Karine Saïssé, Miss Cévennes, élue à Alès. Valérie Krivalski, Miss Champagne-Ardenne, élue à Épernay. Astrid Oriou, Miss Charente, élue à Angoulins-sur-Mer. Marjorie Leroux, Miss Comminges, élue à Saint-Gaudens. Vanessa Gilormine, Miss Corse, élue à Porticcio. Magali Farugia, Miss Côte d'Azur, élue à Nice. Virginie Le Saffre, Miss Côte d'Opale, élue au Touquet. Hélène Lantoine, Miss Flandre, élue à Lefrancouc. Delphine Petitjean, Miss Franche-Comté, élue à Morvillard. Caroline Lafont, Miss Gascogne, élue à Lectour. Ludmila Canogue, Miss Guadeloupe, élue au Gosier. Nathalie Mathurin, Miss Guyane, élue à Cayenne. Séverine Palissot, Miss Île-de-France, élue à Mennecy. Cynthia Caster, Miss Languedoc-Roussillon, élue à Carnon. Eurydice Cousseau, Miss Limousin, élue à Limoges. Sandrine Zanoni, Miss Lorraine, élue à Toul. Marie-Caroline Berthet, Miss Lyon, élue à Lyon. Muriel Chaubelot, Miss Martinique, élue à Fort-de-France. Karine Ancel, Miss Normandie, élue à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Karine Faure, Miss Nouvelle-Loire, élue à Saint-Étienne. Isabelle Marquet, Miss Orléanais, élue à Montargis. Agnès Boudou, Miss Paris, élue à Paris. Sophie Grenard, élue Miss Pays d'Ain à Ambérieu-en-Bugey. Roseline Ferré, Miss Pays de Loire, élue à Saint-Géréon. Tiphaine Coulot, Miss Pays de Savoie, élue à Annecy. Christelle Brunet-Jailly, Miss Pays du Velay, élue à Monistrol-sur-Loire. Sophie Danos, Miss Périgord, élue à Bergerac. Hélène Boidard, Miss Picardie, élue à Saint-Quentin. Sophie Archambault, Miss Provence, élue à Aix-en-Provence. Alexandra Fouillac, Miss Quercy, élue à Souillac. Corinne Lorette, Miss Réunion, élue à Saint-Denis. Angélique Correa, élue Miss Rhône-Alpes à Grenoble. Stéphanie Kézen, Miss Toulouse-Midi-Pyrénées, élue à Toulouse.
Les parapluies de Cherbourg, les 43 jeunes filles, jeunes candidates en maillot de bain, je pense que vous avez une petite idée maintenant de ce que vous avez envie de faire ce soir. Et je pense que vous avez repéré la jeune fille et la miss pour laquelle vous avez vraiment envie de voter. Alors, notez bien les noms. Dans un moment, vous allez pouvoir le faire. Et je pense que maintenant, on va pouvoir lancer le sujet suivant. Il y a quelques jours, les jeunes filles, les 43 candidates, sont allées passer quelques jours très sympathiques à la Guadeloupe, comme le disait tout à l'heure Geneviève de Fontenay. Nous avons tourné de jolies, très jolies images que vous allez voir maintenant, du sport, le soleil, du farniente, et les 43 candidates à la Guadeloupe sur une musique d'Éric Serra, Le Grand Bleu. Regardez. Visiblement, c'est pas du tout embêté à la Guadeloupe. Alors maintenant, on arrive à un moment stratégique, un moment important dans cette élection. Il y a quelques jours, c'est ce week-end, le week-end dernier, s'est réuni un jury de présélection. J'y étais, j'en faisais partie, on était 12, il y a eu des discussions longues, des délibérations, et on a jugé toutes ces jeunes filles, 43 candidates sur des critères, non seulement des critères physiques, mais des critères aussi un petit peu plus intellectuels, un petit peu plus psychologiques. Regardez quelques images. Le jury de présélection. Nous retrouvons Julien Lepers avec les autres membres du jury de présélection.
Après s'être entretenu avec chacune des 43 concurrentes, le jury a désigné les 12 demi-finalistes que vous allez bientôt découvrir. Ce jury était composé de Geoffroy d'Anglejean Châtillon, Cécile Muller, Meyer Habib, Geneviève Leblanc, Gérard Glénin, Régine Ferrer, Ulrich de Varence, Sylvie Baldi, Pierre Chenel, Chantal Joubert. Voilà, alors maintenant c'est un des grands tournants de cette élection. Je vais demander à Maître Pinault, Dominique Pinault, de venir nous rejoindre, huissier de justice, avec l'enveloppe. Une enveloppe contenant 12 noms. Je dis bien 12 noms, les 12 qualifiés, les 12 sélectionnés qui auront le droit d'aller plus loin dans cette compétition. Une enveloppe, s'il vous plaît, avec les 12 noms. J'attends Maître Dominique Pinault, huissier de justice, quand il veut, où est-il? Je voudrais qu'on l'applaudisse pour qu'on le fasse venir, s'il vous plaît. Ah ben voilà, on vous attendait, maître. On vous a surpris pendant la sieste. Non. Ça va, Dominique Pinault? Très bien, je vous apporte le procès-verbal qui a donc été dressé à mon étude. Alors, voilà, et je vais donner... Oui. Donner donc la liste des 12 gagnantes. Alors... Et qualifiée pour la suite des opérations, Miss Aquitaine. Deuxième qualifiée, Miss Berry. Miss Berry qui va se placer à côté de Miss Aquitaine. Voilà qui est fait. Ensuite, j'appelle Miss Bourgogne. Voilà Miss Bourgogne. Ensuite, quatrième qualifiée, Miss Bretagne. Bien, j'appelle maintenant Miss Flandre. Une, deux, trois, quatre, cinq. Il en manque encore sept qui auront le droit d'aller plus loin dans cette compétition. J'appelle Miss Guadeloupe. Miss Guadeloupe qui vient se placer devant la scène avec à ses côtés maintenant Miss Guyane. Nous sommes d'accord maître jusqu'à maintenant. J'appelle Miss Martinique. Et j'appelle aussi Miss Paris. Il en manque encore trois maîtres, nous sommes d'accord. J'appelle Miss Pays de Savoie. Il en manque encore deux. J'appelle maintenant Miss Réunion. Et enfin,
aura le droit de continuer cette élection, cette compétition. Miss Toulouse Midi-Pyrénées. Voilà ces 12 jeunes filles présélectionnées. Je vais demander à toutes les autres, et je vais demander à toute la salle de les applaudir vraiment très très fort, toutes les autres de quitter la scène pour l'instant, et nous vous reverrons tout à l'heure ici sur scène pour la fin de l'émission. Merci mille fois, mesdemoiselles. Si vous le voulez bien, je voudrais qu'on refasse une série de gros plans sur chaque candidate. Nous allons commencer par Miss Réunion. Voilà, en gros plan, on commence par elle, Miss Réunion, un joli sourire. Miss Paris, juste à côté d'elle, voilà Miss Paris, à l'image, tandis qu'à Paris, Miss Guyane, Miss Flandre, Miss Bourgogne, Miss Aquitaine, Miss Berry, Miss Bretagne, Miss Guadeloupe, Miss Martinique, et enfin, à côté de Miss Martinique, il en manque encore deux, Miss Pays de Savoie et Miss Toulouse Midi-Pyrénées. Parmi elles se trouve la nouvelle Miss France 1995. Vous allez voter dans un instant. Je voudrais qu'on donne la parole maintenant pendant que les filles vont se changer.
un petit peu plus sur la personnalité de chaque candidate, de chaque participante. Le micro est sur les tables. Voilà, Miss Bretagne, un grand bonsoir, ça marche très bien, vous inquiétez pas. Bonsoir Miss Bretagne. Bonsoir Julien. Alors s'il vous plaît, attention, caméra, on regarde bien et vous vous présentez s'il vous plaît, qui êtes-vous? Je m'appelle Delphine André, j'ai 19 ans, je suis étudiante. Je prépare en ce moment un bac professionnel en bureautique comptabilité en alternant dans une compagnie d'assurance, ce qui me permet d'être dans la vie professionnelle et de continuer mes études. Et alors, une deuxième question, je poserai les deux mêmes questions à toutes les candidates ce soir. Pourquoi votre présence dans cette grande élection? Pourquoi un jour devenir Miss France? Tout d'abord, représenter ma région à ce concours. J'espère que j'aurai toutes les qualités, l'élégance et la grâce, et représenter la France à travers le monde. Merci Miss Bretagne. À mes côtés maintenant, Miss Martinique. Alors, même question. D'abord, bonsoir. J'espère que tout se passe bien pour vous. Pour l'instant, tout se passe bien. Présentez-vous, s'il vous plaît. Donc, bonsoir, Monsieur le Père. Et bonsoir à tous, spectateurs et téléspectateurs. Alors, je me présente. Je m'appelle Muriel Choubello et je suis actuellement étudiante en DPOCF, diplôme préparatoire aux études comptables et financières. Mais donc, précédemment, j'ai suivi des écoles de commerce et je m'oriente plus vers la gestion et la finance parce que c'est plus mon domaine. Voilà. Que voulez-vous faire plus tard? Plus tard, j'aimerais bien être directrice financière ou travailler à l'IEDOM, qui est l'équivalent de la Banque de France en Martinique. Et alors, pourquoi votre présence dans cette élection? Pourquoi vous avez envie de devenir un jour Miss France? Alors d'abord, c'est parti d'un côté altruiste. Ma tante m'a demandé de me présenter à Miss Martinique et donc j'ai bien accepté. Et puis en fait, c'est devenu un défi. Et donc, je me retrouve là, parce que quand on commence quelque chose, il faut toujours aller au bout et toujours l'accomplir très bien. Et la meilleure façon de l'accomplir, c'est encore de se présenter à Miss France et de devenir Miss France. Alors, on verra. Voilà. On verra bien. Merci, Miss Martinique. Miss Réunion, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien jusqu'à maintenant? Tout va très bien. Bon, vous vous présentez, s'il vous plaît. Je m'appelle Corinne Laurette, je suis étudiante et je prépare en ce moment un doc d'anglais. J'en suis donc à ma deuxième année, ceci afin de m'orienter vers le tourisme ou le professorat. Alors maintenant, pourquoi votre présence dans cette grande compétition? Pourquoi est-ce que vous avez envie de devenir Miss France ce soir? Pour quelles raisons précises? Par amour du spectacle, puisque Miss France c'est aussi un spectacle, puis par passion pour tout ce qui touche le domaine de la beauté et de l'esthétique, et surtout afin de vivre une expérience unique, intense et inoubliable. Voilà, merci Miss Réunion. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aimeraient bien être à ma place, parce que avouez, je suis bien entouré. Nous allons maintenant donner la parole à Miss Bourgogne. Un grand bonsoir Miss Bourgogne et félicitations. Bonsoir. Pour arriver jusqu'à ce niveau-là de la compétition. Merci beaucoup. Tout va bien jusqu'à maintenant. Alors présentez-vous s'il vous plaît. Bon alors bonsoir, je m'appelle Sophie Roger, j'ai 19 ans, je fais des études d'architecture intérieure à Paris, à l'école AFA. Voilà. Et maintenant, pourquoi, même question que pour les candidats précédentes, pourquoi est-ce que vous avez envie de devenir Miss France? Miss France, c'est quelque chose de très très important et savoir que toute une population est derrière vous et j'aimerais représenter la France d'un côté artistique comme culturel. Voilà, merci Miss Bourgogne et je vais passer maintenant à ces deux candidates. D'abord Miss Berry, bonsoir Miss Berry. Bonsoir à tous. Vous vous présentez s'il vous plaît. Je m'appelle Sandrine Petouin, j'ai 18 ans. Parlez bien fort, oui. Je poursuis actuellement des études de droit, oui. Avec l'ambition de devenir avocate. D'accord. Et pourquoi votre présence parmi nous ce soir? Pourquoi c'est ce rêve de devenir Miss France? Eh bien, j'aimerais avoir l'honneur de représenter les valeurs traditionnelles françaises et de pouvoir exporter son patrimoine culturel à l'étranger. Voilà, c'est une belle ambition. Merci Miss Berry. Miss Toulouse, Midi-Pyrénées, bonsoir. Bonsoir Julien et bonsoir à tous. Alors, qui êtes-vous s'il vous plaît?
Je m'appelle Stéphanie Kézen, je suis âgée de 21 ans et je suis étudiante car après avoir fait une classe préparatoire à HEC, j'ai intégré l'école supérieure de commerce de Toulouse, évidemment. Et pour faire quoi plus tard, s'il vous plaît ? J'aimerais me spécialiser, je pense, en analyse financière internationale. Et est-ce que votre présence ce soir dans cette grande compétition, de devenir un jour Miss France, est-ce que c'est un conte de fées, vous y rêvez depuis que vous êtes toute petite jeune fille ? Ou est-ce que c'est une question d'opportunité, c'est parce que ça s'est présenté comme ça et puis c'est tout ? Et pour quelle raison est-ce que vous êtes avec nous ce soir ? Je pense que la raison principale pour laquelle je me suis présentée, c'est que l'élection Miss France est un concours où on s'intéresse non seulement à la plastique des candidates, mais aussi à leur personnalité et à leur dignité et élégance. Et puis aussi, mais ça c'est un peu une raison un peu plus personnelle, je suis très exigeante envers moi-même, j'aime qu'on m'aide à pousser les limites, et je suis très heureuse ici ce soir d'être parmi vous parce que je suis parmi les 12 finalistes, mais aussi parce que durant ces 3 semaines de préparation pour cette émission, eh bien, je me suis vraiment donnée à fond et j'espère que ce soir devant vous, j'arriverai à donner le meilleur de moi-même. Bien, Miss Toulouse, Billy Pyrénées, merci pour cette déclaration. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste encore 6 candidates. Choisissez bien, jugez bien, comparez, écoutez les candidates et... Nous arrivons maintenant à Miss Aquitaine. Un grand bonsoir. Comment allez-vous ? Tout va bien jusqu'à maintenant ? Bonsoir Julien, bonsoir mesdames et messieurs, tout va bien ? Tout va bien, d'accord. Vous vous présentez s'il vous plaît. Bonsoir donc. Je m'appelle Mélodie Vilbert, je vis à Bordeaux. Je suis actuellement en terminale littéraire. J'espère l'année prochaine, après l'obtention de mon baccalauréat, suivre des études afin de devenir journaliste. Si possible, l'IUT de Bordeaux. Sinon, je me destine donc à la faculté LEA, Langues étrangères appliquées. En prenant comme spécialité l'anglais, puisque je parle couramment, et en espérant prendre également une langue plus rare, le chinois par exemple. Ah, pourquoi pas le chinois, mais bien sûr. Et alors, pourquoi votre présence parmi nous, ce soir, devant une salle qui est pleine à craquer ici, au CNIT, nous sommes en direct, il est exactement 22h01, pourquoi votre présence et pourquoi votre envie de devenir un jour Miss France ? Vous savez Julien, je suis une épicurienne. Et je mets un point d'honneur à vivre à fond chaque petit moment de la vie. Oui, 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 bien sûr. Je comprends ça très bien. Et... Oui, je vous écoute. J'ai eu la chance donc d'être élue Miss Aquitaine en novembre dernier. Oui. Et l'opportunité s'est présentée donc de devenir ici pour représenter ma région que j'affectionne tout particulièrement. Et j'espère de tout mon cœur que chaque... Non, non, allez-y, je vous écoute. Excusez-moi. Et vous espérez ? J'espère que... Tout le monde en Gironde sera fier de moi, en Aquitaine, excusez-moi. Oui. Et j'ai vraiment apprécié beaucoup tout ce qui s'est passé jusqu'à présent pour moi. La Guadeloupe, c'était merveilleux. C'était sympa, oui, voilà. C'est un bon moment. C'est tout ? On applaudit Miss Aquitaine, s'il vous plaît, très fort. Merci. Excusez-moi. Micro. Nous accueillons maintenant avec beaucoup de plaisir Miss Guyane. Bonsoir. Grand bonsoir. À tous. Et félicitations aussi pour être arrivé à ce niveau-là de la compétition. Miss Guyane, présentez-vous s'il vous plaît. Alors moi, c'est Nathalie Matura, j'ai 20 ans, je suis étudiante en lettres et langues. D'accord, pour faire quoi plus tard ? J'aimerais dans l'avenir devenir interprète. Très bien. Comme en Guyane, il y en a beaucoup de... Enfin, la Guyane, c'est une société polyculturelle. Oui. On y trouve beaucoup de Brésiliens, d'Anglais et... C'est pour ça que en quelque sorte, c'est ce qui m'incite à devenir interprète. Saint-Laurent, Kourou. Kourou, Cayenne, et Cayenne également. Cayenne, oui. En Guyane, c'est plutôt le côté Kourou qu'on retient, mais également Cayenne. Bien sûr. Alors, Miss Guyane, même question pour les candidates précédentes. Pourquoi est-ce que vous avez envie de devenir vraiment ce soir Miss France 95 ? Ben, au départ, je me suis présentée à l'élection Miss Guyane, oui. J'ai été élue, et la tâche qui m'incombe en tant qu'ambassadrice de la beauté guyanaise, oui. C'est celle de représenter la Guyane en France. Et me présenter au concours Miss France, pour moi, c'était une chance pour découvrir le monde du spectacle, entre autres, une expérience à vivre, connaître un peu ce qui se passe derrière tout ce qu'on voit quand on voit les messieurs Miss France, également déboucher sur le monde du mannequinat éventuellement, et si j'ai la chance d'avoir le titre de Miss France, j'aimerais, comment dirais-je, servir certaines causes qui me paraissent nobles. Je ne vous ennuie pas là, non ? Non, c'est bon. Non, continuez. Merci. Non, Miss Guyane, je plaisantais évidemment.
Mais j'essaie de donner le même temps à chaque candidate, évidemment, et vous le comprendrez facilement. Merci. Miss Guyane, alors je me lève maintenant. Je ne sais pas, ça commence à se compliquer sérieusement pour le jury. Hein. Vincent, Linda, Bernard Fresson, je ne sais pas, le président Rogéana, je ne sais pas où vous en êtes dans vos délibérations, dans vos pensées. Je m'installe maintenant ici, où nous reste quatre candidates. Le micro pour Miss Flandre. Bonsoir, Miss Flandre. Et comment allez-vous bien, j'espère? Pour l'instant, tout va bien. Bonsoir Julien, je vais très bien, merci. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Eh bien, je m'appelle Hélène. Ça, c'est déjà pas mal, ça commence bien, c'est un joli prénom, d'accord. Je m'appelle Hélène Lantoine, j'ai 21 ans et je suis actuellement étudiante en deuxième année à l'Institut supérieur de commerce international à Dunkerque. Qu'avez-vous envie de faire plus tard, dans quelques petites années? Eh bien, écoutez, je ne sais pas encore. Le monde du commerce est un monde très vaste. Il y a beaucoup de c'est choses vrai. À faire. C'est vrai. Et je m'adapterai au marché quand je serai sur le marché du travail. D'accord. Devenir Miss France, est-ce que c'est un conte de fées? C'est un rêve depuis toujours ou pas? Ah oui, c'est un rêve depuis que je suis toute petite. J'ai jamais raté une élection de Miss France. C'est un monde merveilleux qui m'a toujours fait rêver. Les robes, les chapeaux, la beauté, la magie, le charme, l'élégance et tout ça. Vous êtes très sensible à ça, oui, Miss France? Oui, très sensible. Très très sensible. Eh bien, merci Miss France. Je voudrais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Le micro, voilà. Miss Pays de Savoie, un grand bonsoir et félicitations aussi. Bonsoir, merci. Bonsoir au jury, bonsoir au public. Alors, comment allez-vous bien, j'espère, pour le moment? Très bien, très bien. Un peu stressé, mais ça va. Bah, c'est normal, comme toutes les autres candidates, c'est normal. Tout va bien se passer. Je veux juste vous poser deux petites questions. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Essayez de vous présenter. Alors, je m'appelle Tiphaine Coulot, j'ai 19 ans. J'habite un merveilleux village qui s'appelle les Contamines de Montjoie, en Haute-Savoie. Oui. D'ailleurs, je vous y invite à faire du ski. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Car en ce oui, moment, avec y a vous, des... bien sûr, avec plaisir. Je passe une bonne soirée ce soir, oui. Miss Pays de Savoie, je vous écoute. Je prépare actuellement un bac professionnel de coiffure mixte et oui. J'aimerais faire parallèlement d'esthétique. Voilà. Alors maintenant, pour quelle raison vous aussi, même question que précédemment, pour quelle raison votre présence dans cette élection et cette grande compétition, Miss France? Pourquoi avoir envie de devenir Miss France ce soir? En fait, c'est un acheminement progressif et un concours de circonstances qui ont fait que je me suis présentée à l'élection régionale. Je connais un petit peu le milieu de la mode étant donné que mes parents sont coiffeurs. Donc j'ai fait quelques défilés de mode et des shows de coiffure et c'est ça plus ou moins qui m'ont décidé à me présenter. Voilà. C'est ce qui vous a fait craquer. Voilà. Voilà. Merci Miss Pays de Savoie. Je me tourne maintenant vers les deux dernières candidates avec à mes côtés Miss Paris. Et vous êtes dans une belle compétition. Vous êtes pour l'instant dans les 12 sélectionnés. Les 12 qui ont le droit d'aller plus loin. C'est déjà un beau résultat. Miss Paris, bonsoir. Bonsoir. Comment bonsoir allez-vous? Très bien, merci. Le micro, attention. Et vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Agnès Boudou, j'ai 20 ans. Je suis en deuxième année dans une école audiovisuelle qui va me préparer au métier d'ingénieur du son. J'aime également beaucoup le sport, entre autres la natation, le stretching. Et depuis peu, avec ma sœur, je pratique le karaté. J'aime également beaucoup les animaux. D'ailleurs, j'ai 6 chats à la maison et un chien. Bien. Voilà. D'accord, c'est une présentation complète. Et vous pratiquez le karaté? Oui. Et pourquoi est-ce que vous avez envie de devenir Miss France un jour? Et ce soir, notamment? Pourquoi je me suis présentée? Parce que même si mes études restent assez scientifiques, j'adore la mode et tout ce qui s'y rattache. Et je trouve que se présenter à l'élection de Miss France, c'est très enrichissant du point de vue relationnel, car j'ai pu rencontrer toutes les jeunes filles qui représentent la région, toutes les régions de France, et aussi du point de vue technique, car j'ai eu l'occasion de côtoyer pendant 3 semaines une équipe de vidéos et de sons qui m'ont apporté beaucoup dans mon avenir professionnel, et je leur en remercie. Merci Miss Paris. Et enfin, attention à la Guadeloupe avec la dernière jeune fille, dernière sélectionnée, Miss Guadeloupe, bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous vous présentez, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Lune Milacano, j'ai 18 ans. Je suis en terminale économique et sociale. Oui. Pour plus tard changer de branche dans le sanitaire et social, puisque j'ai une action qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'action humanitaire oui. pour fonder des foyers pour les enfants déshérités. Très bien. Et pourquoi votre présence parmi nous ce soir? Pourquoi est-ce que vous avez envie de devenir Miss France? Eh bien déjà, étant Miss Guadeloupe, donc l'ambassadrice de cet archipel, je me dois de représenter cette île au rang de la France. Eh bien, et puis bien sûr, le fait de parler de Madame de Fontenay, ça m'emporte. Et je sais que l'élection de Miss France est une très, très longue histoire d'élégance, de terroir.
Et rien que par l'effet de la Miss 92 de la Cruz, Véronique de la Cruz, je sais que ça se passe très très bien et donc ça m'a donné un engouement pour cette élection. Bien, merci Miss Guadeloupe. Ah, je vois qu'on discute sérieusement du côté du jury. Président Anna, Roger Anna, Nathalie Marquet, Vincent, Linda, tout le monde, mesdames, messieurs, je ne sais pas où vous en êtes dans vos délibérations personnelles. Mais on va maintenant, je vais donner la parole à Yves de Rizbourg, mais voilà, je crois qu'on a fait maintenant plus ample connaissance avec les 12 candidats qui restent en compétition, les 12 jeunes filles qui font chavirer la France, parce qu'on en est au standard. Yves de Rizbourg, s'il vous plaît. Voilà, merci mille fois mesdemoiselles. Je vais demander à Miss France 1994 de me rejoindre. Voilà, à mes côtés, nous allons lancer tous les deux Yves de Rizbourg qui est là-bas au standard, avec des estimations et des pointages un petit peu plus précis. Oui, vous le disiez tout à l'heure, Julien, que c'était toujours important, la séquence des interviews, on peut mieux découvrir ainsi les Miss. Et c'est vrai que là, on a vu que certaines, volubiles parfois, ont donné envie aux téléspectateurs de voter pour elles. Et ça donne des scores qui font que maintenant, elles étaient deux tout à l'heure, très 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 loin en tête. Maintenant, elles sont trois. Et je peux vous dire que tout est encore à faire. Alors allez-y, téléphonez pour défendre les couleurs de votre Miss. Je rappelle le téléphone, 36 68 56 56. Le Minitel, je sais, parfois, vous pouvez être déconnecté parce qu'il y a énormément d'appels, mais rappelez.
Le 3615 code France 3, la page des Miss s'affiche tout de suite. Et je rappelle également donc pour TV5 que vous pouvez appeler le numéro qui est inscrit au bas de votre écran, car la régie finale que je regarde ici envoie donc un numéro spécialement fait pour ceux qui nous regardent à travers toute l'Europe ce soir. Je crois que jamais une élection de Miss France n'aurait eu autant de téléspectateurs et autant de votes, car déjà, je peux vous dire que la Miss qui est en tête a dépassé les 21 000 votes, Julien. Je n'en dis pas plus pour les autres. Suspense, ouais. À tout à l'heure. À mes côtés, Miss France 94. Elle nous disait tout à l'heure, en commençant l'émission, qu'elle avait passé une année hors du commun, évidemment. Alors maintenant, nous avons juste devant nous les 12 finalistes. Si vous aviez un conseil, vous qui avez vraiment une grande expérience en la matière, si vous aviez un conseil à leur donner, que leur diriez-vous ? Je crois que c'est difficile de donner un conseil à toutes ces jeunes filles, puisque après les avoir entendues se présenter elles-mêmes, je crois qu'on peut encore remarquer une fois de plus que non seulement elles sont très jolies, mais elles font preuve aussi de beaucoup d'intelligence. Et je crois qu'il faut les féliciter, toutes les 12 présentes là sur le plateau, car elles étaient vraiment superbes. Et le seul conseil, c'est garder ce sourire magnifique que vous avez toutes ce soir, et rester le plus simple et le plus naturel possible, puisque je crois que la simplicité, c'est la qualité qu'apprécient les gens. Moi, partout où je suis passée, c'est ce que j'ai retenu. Alors justement, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans les images qu'on va voir. Il y a une belle interview, on a tourné il n'y a pas très très longtemps, un sujet sur Valérie Claes, notre jeune fille qui est encore Miss France, pour quelques minutes, hein, encore, pour quelques Miss minutes France encore, 94. Oui. On vous a tourné chez vous, dans votre région, à Pornic notamment. Regardez ces images. Valérie Claes, une vie de Miss France. De Miss France change beaucoup de choses dans la vie d'une jeune fille. On parcourt la France toute l'année, donc on se lève tôt le matin et on va de ville en ville pour y lire les Miss qui se présenteront pour le titre de Miss France 95. On se déplace également pour des défilés de mode, des manifestations telles que des inaugurations, des portes ouvertes, des foires. On peut également être présente pour des œuvres humanitaires, défendre des causes pour les animaux, la SPA, pour les enfants malades, les personnes âgées. Et on prend une certaine assurance. C'est bon, au niveau relationnel, on rencontre énormément de gens, donc c'est très enrichissant. C'est vrai que les gens bon, vous abordent dans la rue, vous demandent des photos dédicacées, vous posent un petit peu de questions, mais bon, c'est tellement fait de façon gentille, simple, que ça se passe tout seul. Je crois que le contact passe tout seul avec les gens et c'est magique un petit peu. J'ai voulu ce titre pour voir justement comment la finale se déroulait à Paris, voir un petit peu les coulisses d'une émission de télévision, voir un petit peu tout ce qui fait rêver les jeunes filles de notre âge. Mais bon, jamais je n'aurais imaginé pouvoir avoir le titre de Miss France. Je ne sais pas ce qui peut justement se passer dans la tête d'une Miss comme ça quand on passe le relais à une autre jeune fille. Ce qu'il faut savoir, bon, c'est que j'ai été privilégiée donc, pendant un an avec ce titre de Miss France et je trouve tout à fait normal de laisser la chance à d'autres jeunes filles. C'est vrai que Roselyne a été élue Miss Pays de Loire. Il faut lui souhaiter bonne chance. Il faut qu'elle travaille beaucoup, qu'elle se confectionne une belle petite garde-robe pour partir à Paris. Et j'espère qu'elle nous ramènera une écharpe, soit de Miss France ou alors de Dauphine. La vie d'une Miss France. Les 12 finalistes maintenant devant vous. Je vais demander à Maître Pinault, Dominique Pinault, de venir me rejoindre avec l'enveloppe magique, s'il vous plaît. Est-ce que vous faites attendre toujours, hein, Maître Pinault? Mais qu'est-ce que vous faites en coulisses? Et nous prenons les appels. Que prenez-vous? Les appels, d'accord. Appels. Alors voilà maintenant, la liste importante. Je vais demander parmi ces 12 Miss...
Je vais demander à Miss Aquitaine de s'avancer, s'il vous plaît. Voilà, Miss Aquitaine qui figurera donc parmi les 5 finalistes. À ses côtés, il y aura Miss Bourgogne. Et ces 2 jeunes filles seront accompagnées de Miss Flandre. Mais il y aura aussi Miss Guadeloupe. Voyons, ça ne fait que 4. Miss Aquitaine, Miss Bourgogne, Miss Flandre, Miss Guadeloupe. Il en manque une. J'appelle à leur côté Miss Réunion. Avec, n'arrêtez pas d'applaudir s'il vous plaît, un immense bravo pour les 7 autres candidates qui vont nous quitter maintenant. Merci 1000 fois mesdemoiselles. Et je vous applaudis aussi très fort. Nous vous reverrons tout à l'heure à la fin de l'émission. Merci maître. Dominique Pinault, nous nous revoyons dans un moment et je voudrais maintenant, avec l'aide de notre réalisateur bien-aimé Gilles Amado, qu'on refasse un gros plan de ces 5 jeunes filles à partir de Miss Réunion. Voilà, Miss Réunion qui est à l'image maintenant, suivie de Miss Bourgogne. Miss Bourgogne qui est là avec un joli sourire et le sourire de Miss Aquitaine aussi. Et juste à côté de Miss Aquitaine, Miss Flandre, qu'on voit à l'instant même, suivie de Miss Guadeloupe. Voilà les 5 finalistes, Miss France 95 et parmi elles. Merci pour tous vos applaudissements et j'ai l'impression que ces 5 jeunes filles vont faire chavirer tout le monde. Qu'en pense le standard Yves de Risbourg, à vous de jouer. Ah ben, elles vont chavirer l'Europe entière, Julien Lepers, puisque je peux vous dire d'ailleurs qu'après avoir eu les chiffres que Maître Pinault vous a fait parvenir. Les rythmes, le soleil et toutes ces jeunes filles, les jeunes candidates qui sont là et qui descendent de voiture en route vers leur hôtel où les Miss se préparent pour une visite du marché aux épices de Pointe-à-Pitre où on ne trouve pas que des épices d'ailleurs. Il y en a des épices mais il n'y a pas que ça, il y a les fruits, il y a les chapeaux, regardez, et le soleil, plein soleil aussi. Les Miss en goguette à la Guadeloupe avec une traversée de la bananeraie de Capesterre pour se jeter ensuite dans une magnifique cascade, la cascade du saut de la lézarde. Regardez ces images. Jeunes filles absolument superbes et plus belles les unes que les autres. C'est parti pour une nouvelle aventure dans la forêt tropicale avant d'être reçues ensuite au musée du Rhum. Le musée du Rhum pour une petite dégustation évidemment. Dégustation de jus de fruits, hein. Pas de rhum, dégustation de jus de fruits.
ensuite, c'est reparti pour terminer cette belle journée. C'est une grande soirée pour les 43 Miss. Et là, je peux vous dire qu'on ne s'embête pas hein, pendant cette soirée. Après une belle journée de soleil, d'épices et de balades en Guadeloupe, les rythmes, la musique, regardez. Avouez que je suis vraiment bien entouré. À ma gauche, Miss Guadeloupe. À ma droite, Miss Réunion, Miss Bourgogne qui n'est pas loin, Miss Flandre, Miss Aquitaine. Toutes ces cinq jeunes filles restent en lice, restent en compétition. Et parmi elles, dans quelques minutes, la prochaine Miss France 1995. Nous en sommes là pour le moment.
Un petit mot, Yves de Risbourg, avec des fourchettes qui se précisent encore. Julien Lebert, si ici ce n'est pas la rumba, c'est carrément le collet serré, je peux vous dire, au niveau des votes. Parce que quand je dis un mouchoir de poche, là, c'est un confetti. Rien n'est fait. Vous avez encore 5 minutes pour voter, pour dire qui sera Miss France. Je peux vous dire déjà une chose, Julien, et je crois que ça a mérité des applaudissements de la salle. On a explosé le record de l'émission. On a fait 84 700 votes l'année dernière. Nous avons dépassé la barre des 100 000 votes. C'est formidable. 100 000 votes. 100 000 votes déjà. Ah oui, oui, oui. Bravo. Vous pouvez vous applaudir. Bravo François, Info, TV5, tout le monde qui nous suit en ce moment même, félicitations. Yves, un autre mot, c'est tout? Oui, il faut faire mieux, plus que 100 000. Je vous rappelle les téléphones, vous avez encore 5 minutes, il faut voter, faire la différence, car véritablement pour l'instant, je suis incapable de vous dire qui est Miss France. Je vous assure, bon. C'est à quelques centaines de voix. 36, 68, 56, 56, je vous rappelle le numéro du Minitel, oui. Le 3615, code France 3. C'est la dernière ligne droite, il faut y aller, il faut voter pour la Miss que vous avez envie de voir tout à l'heure avec le superbe diadème que Madame de Fontaine lui remettra. Ces jeunes filles que j'ai à mes côtés sont vraiment superbes. C'est vrai que c'est difficile là maintenant de faire son choix. Mes amis, je vous propose maintenant un moment traditionnel dans cette élection. C'est ce qu'on appelle le best of couronne, les meilleurs moments du sacre et du couronnement avec évidemment la pose de... La couronne qui aura lieu dans quelques secondes, c'est toujours un moment délicat, il y a de la fébrilité, il y a de l'euphorie, il y a de l'émotion, il y a les doigts qui tremblent, et à tous les coups, la couronne tombe. Regardez ces images. Miss France 1989 et Miss France 1989, Miss Aquitaine. Miss France, Miss Aquitaine. Très émue, Miss Aquitaine. Je crois qu'elle va pleurer. Toutes les Miss se sont joints à nous. Ainsi que petite danseuse pour saluer cette élection de Miss France 1991. Miss Tahiti reçoit son diadème de Gaëlle Voiry qui était Miss France 1990, ex-Miss Aquitaine. Bravo encore, j'ai des félicitations pour vous, ma chère Miss Tahiti, Mareva, un joli prénom que je voudrais reciter. Voilà la couronne qui sacre Linda Hardy, Miss France 92. Et attention à la couronne, c'est chaque année pareil. Miss Guadeloupe. Miss France 93 qui reçoit sa couronne des mains de la Miss France 92, Linda Hardy. Tout ceci en direct du CNIT à la Défense. Miss France 1994, Miss Pays de Loire. Et première dauphine, Miss Bourgogne. Véronique de la Cruz remet sa couronne à la nouvelle Miss France 94, Miss Pays de Loire. Attention de ne pas la faire tomber, Véronique. Attention, attention, il vaut mieux prendre son temps, Véronique. Vous avez raison. Eh bien, nous arrivons maintenant au moment que tout le monde attend, c'est-à-dire la véritable élection de la nouvelle Miss France. Miss France 1995, je vais d'abord appeler les 5 finalistes, les 5 candidates sur la scène, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Les 5 candidates qui vont
se présenter, qui vont se placer devant le public du CNIT ici à Paris La Défense et devant des millions de téléspectateurs qui sont là. Regardez les robes, regardez les démarches, le charme, l'élégance, les sourires. J'appelle maintenant à mes côtés Geneviève de Fontenay et le président Roger Alain. Geneviève ici à mes côtés, président à ma gauche, je vous serre la main et je suis heureux de vous accueillir sur ce plateau. Geneviève est à ma droite, je vais vous donner le micro. Tiens, comment est-ce que vous avez vécu les trois quarts de cette soirée? Ben, c'est un plaisir ininterrompu parce que ce sont toutes des beautés différentes, blondes, brunes, j'en aperçois même une qui sera mordorée, grande, plutôt grande en général, intelligente, sensible, émue, enfin c'était une belle soirée quoi. Alors, président et Geneviève de Fontenay, nous allons maintenant appeler Maître Dominique Pinault, qui devrait être à mes côtés, qui est là cette fois-ci, d'accord, avec les enveloppes qui sont capitales. Maître Pinault à mes côtés, et l'enveloppe où figure à l'intérieur le nom de la quatrième dauphine. Vous me l'ouvrez s'il vous plaît. Et vous avez décidé d'élire ce soir, quatrième dauphine, Miss Bourgogne. Et c'est Catherine Clarisse qui était première dauphine. Première dauphine de Mareva Georges, oui. 1991, et première dauphine de Miss International au Japon, oui. Qui est devenue un top modèle aussi et que nos amis très jolie bien. Femme, Catherine Clarisse. Une des stars du comité Miss France. Je vous rends, il ne faut pas tout mélanger, maître, attention. Et je vous attends maintenant pour l'enveloppe qui contient à l'intérieur le nom de la troisième dauphine. Et vous avez décidé d'élire. Troisième dauphine, Miss Guadeloupe. Avec l'écharpe remise par Véronique de la Cruz. Ancienne Miss France. Et maintenant à mes côtés, Maître Pinault pour la deuxième dauphine. Et vous avez décidé d'élire cette année deuxième dauphine, Miss Réunion. Miss Réunion avec un magnifique sourire, une très jolie femme qui va rejoindre donc la troisième marche du podium. Pardon Geneviève. Sabrina Belval, Miss France 82, qui va lui remettre son écharpe. Qui va lui remettre son écharpe. Toujours aussi charmante, Sabrina. Sabrina et Corinne Laurette, Miss Réunion, qui termine seconde dauphine. Avec les applaudissements de la salle. Un petit bonjour aux caméras à tout le monde. Miss Réunion. Et maintenant, c'est le nom directement de la nouvelle Miss France. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir participé à cette émission, toute l'équipe technique, l'équipe artistique, vous toutes et vous tous. Et vous avez décidé d'élire Miss France 1995. Miss Aquitaine. Très bien. L'émotion, le conte de fées qui devient réalité. Miss Aquitaine
qui devient Miss France 1995, Mélodie Vibert, Miss Aquitaine, la nouvelle Miss France 95. Bravo Mélodie, bravo Miss Aquitaine, avec maintenant la pose, le sacre, la pose de la couronne, le couronnement, attention chignon derrière, on baisse la tête, tout va bien pour le moment, couronne remise par Valérie Claes avec, voilà, cette magnifique couronne qui sacre Miss Aquitaine, Miss France 95. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons nous quitter avec ce beau sourire, les sourires de toutes ces Miss, Miss Réunion, Corinne, Valérie Claes et Mélodie, la nouvelle Miss France 95. Merci mille fois. La statue offerte par Isabelle Troubacquer et qui a été faite par le sculpteur Gustin, qui est le nouveau trophée Miss France. Nous allons aussi, voilà, parler de Miss Flandre qui devient première dauphine. Bravo Miss Flandre, première dauphine. Et bravo Miss Aquitaine qui devient Miss France 95. Voilà, merci mille fois, bonne soirée à tous. Et dans un instant, les photographes. Avec du calme, on fera tout tranquillement, vous aurez toutes les photos que vous voulez. Vous a présenté les Miss France avec Saint-Algues, coiffeur visagiste.